Good morning, Aleiden. Les titres aujourd'hui, le Lonishmat, Mourver Bishmoel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrava Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batrevi Nechemia, Lor Lea Bat Bela, Shalom Ben Chabiba, ainsi que les fois d'avoir mouru Ben Ruth, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah Contact à 5 minutes éternelles, nous étudions à Sefet Zvachim, Perekud Bet, Mishnah Aleph. Tvul Yom Umechusal Kippurim, Enan Cholkim Bakodashim Leechol La'arev. Onen. Nogea, ve'eno makriv, ve'eno cholek le'echol la'arev. Ba'ale moumin, ben ba'ale moumin kivu'im, ben ba'ale moumin ovrin, cholkin ve'ochlin, aval lo makrivin. Ve'chol shene ra'oui la'avoda, eno cholek babasar, ve'chol shene lo babasar, en lo ba'orot. אפילו תמי בשעת זריקת דמים וטהור בשעת אקטר חלבים, אינו חולק בבשר, שנאמר, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבין הארון, לא תהיה שוק הימין למנה. משנה, פרנסיפ אלי סמפ, כלכם צידתה היא הפרסיזה, ונקת רדויר תוצוית. לבוד דולה משנה, דבור, אלי דפרלי, מנתנן, de savoir qui va participer, qui va partager les korbanot, qui parmi les kohanim va partager les korbanot qui ont été apportés aujourd'hui pour manger des parts. Puisqu'on a apporté dans la journée tant de khatat et tant de hacham et de shlamim, où il y a eu là-bas des parts de shlamim qui reviennent aussi au kohen. Donc, il y a eu aussi des menachot, le shabbat, il y a le lechem apanim. Et ensuite, il y a un responsable là-bas dans la Hazara qui va faire l'inventaire des parts de viande qui ont été récoltées et du nombre de kohanim qui travaillaient aujourd'hui, et on va leur partager. Et la question maintenant de notre Mishnah va être de savoir qui va partager à ce partage pour recevoir des parts, qui va être en droit de manger. Et c'est-à-dire, il peut y avoir deux types de problèmes, comme ce qu'on va voir. Des personnes qui avaient une certaine impureté dans la journée, mais que dès le soir pourront manger. Donc on va apprendre qu'ils ont le droit, certes, de manger, mais ils ne vont pas participer au partage. Tandis qu'est-ce qu'on appelle les Baalé Moumin, les Kohanim qui ont un Moum, qui ont un défaut, qui n'ont pas le droit de servir au Beth Amigdash. Eux, ils n'ont certes pas le droit de servir, mais malgré tout, ils auront le droit de recevoir une part. On va se retrouver dans la Zara avec un Kohen, par exemple, à qui il manque un doigt, par exemple. Il n'a plus le droit de faire une Avoda, il n'est pas saoul, il a un Baal Moum. Malgré tout, le soir, lorsqu'on va faire le partage, dans la fin d'après-midi, on va faire le partage des parts qui ont été récoltées, on va le compter pour lui donner à lui aussi une part. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah, en parlant aussi de la peau de l'animal, qui est aussi de l'argent, bien sûr. Avant, on faisait jusqu'à aujourd'hui, parce qu'encore du cuir. Avant, c'était très machmouti. Imaginez bien, avant l'époque du plastique, combien les gens étaient dépendants du cuir. On faisait des gourdes en cuir, on faisait des tas de choses en cuir. C'était un peu la matière forte, costaud, quoi, pour faire toutes sortes de choses qui devaient être solides. Donc, les Kohanim avaient en cadeau la peau, et on l'a partagé aussi selon les Kohanim qui étaient présents dans la Zara. On a là expliqué toute la Mishnah, on va faire ça dans les mots de la Mishnah, après on va expliquer à partir des Psukim, mais en Tachem, ça va aller assez vite. Tvul Yom ou Mechusar Kippurim. Une personne qui s'est trempée dans la journée, parce qu'elle avait une impureté, ou encore Mechusar Kippurim, une personne qui manque d'apporter des korbanot pour finir sa tahara. Soit, on parle ici d'une tahara, d'une pureté très particulière, très fréquente en fait, que, de manière générale, lorsque je me trempe au mikvé parce que j'étais impur, je deviens pur ensuite. Et donc si je vais toucher des choses qui étaient pures, je ne vais plus les rendre impures puisque je suis trempé au mikvé. Et bien il faut savoir que spécialement pour la trouma et ensuite pour les kochim en plus, pour les korbanot, il y a une chumra particulière d'attendre le coucher du soleil, la tombée de la nuit, enfin la venue de la nuit, pour permettre à cette personne de manger les kodashim. D'accord? Et même aussi pour ne pas les rendre impurs, parce qu'il va quand même véhiculer une impureté tant que la nuit n'est pas tombée. Il y a certains korbanot encore, ou certaines impuretés, où lorsqu'on se purifie, il faut se tremper au mikvé, attendre la tombée de la nuit, mais encore, c'est pas encore fini, il faut attendre le lendemain que l'on apporte des korbanot pour se purifier, essentiellement le zav et le metzora. Une fois qu'ils ont fini toute leur pureté, ils doivent apporter au Beth Amikdash des korbanot pour finir leur pureté. Et seulement après, ils pourront manger des korbanot.
Le sujet maintenant de notre Mishnah, il va être de nous dire Dvulyom ou Mechusar Kippurim, celui qui s'est trempé dans la journée, ça s'appelle un Dvulyom, une Maserhet Dvulyom, ou Mechusar Kippurim, et celui qui manque d'avoir apporté des korbanot, ses korbanot pour finir sa pureté. Enan Cholkin Bakodashim la Arev. Eux ne seront pas bénéficiaires du droit de recevoir une part des Kodashim, des korbanot apportés dans la journée, le soir. D'accord ? Ils ont certes le droit de manger, s'il y aura un Kohen qui va vouloir lui donner une part de sa part qu'il a reçue. Mais ils n'auront pas un droit de venir partager avec les Kohanim. D'accord ? C'est clair ? Ouais, s'il y avait 10 Kohanim qui ont travaillé aujourd'hui, ils se partageront les parts en 10. Après qu'un Kohen va recevoir sa part, il pourra inviter à sa table, s'il veut, toute personne qui était Dvulyom dans la journée, qui n'avait pas le droit de recevoir une part. Parce que maintenant il est pur, il pourra manger avec lui. Mais il ne sera pas titulaire d'une part des korbanot de la journée. Ensuite, Onen. Onen, c'est celui qui a eu un mort dans la journée. La veloute de la journée, de la première journée, elle s'appelle Onen. Il est interdit par la Torah de manger des korbanot, de faire une avoda. Jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, il va devenir Midrabanan. Il aura un interdit, malgré tout, Midrabanan, de faire certaines choses, peu importe. En tout cas, lorsqu'il est Onen dans la première journée, il est minatora, il n'a plus le droit de monter sur le Misbéar pour faire des korbanot. Puisqu'il n'a plus le droit de travailler, c'est le même principe véhiculé. Alors la Mishnah m'enseigne, certes, Nogéa, il aura le droit de toucher les korbanot, c'est-à-dire s'il touche les korbanot, il ne les rendra pas impurs. C'est toujours un sujet un peu délicat que je préfère esquiver. Juste sachez que le Onen, il a vécu une certaine impureté malgré tout, parce qu'il est plus... Il ne veille plus assez bien aux lois de pureté, mais en tout cas, si c'est trempé au mikvé, il pourra ensuite toucher le korbanot sans le rendre impur. C'est ce que ça veut dire. Onen nogea. Le onen, celui qui est donc en deuil de la première journée, nogea, il pourra toucher le korbanot, mais malgré tout, veille no makriv, il n'aura pas le droit d'offrir ses korbanot, de les faire, d'égorger l'animal, d'asperger son sang. Veno cholek lechol la arev. Et donc, il ne sera pas en droit de recevoir une part le soir. Ouais, il ne partagera pas les rôles pour manger le soir. Ensuite, Baalé Moumine, Ben Baalé Moumine Kevouin, Ben Baalé Moumine Ovrin, Cholkin Veochlin Avallo Makrivin. Les Baalé Moumine, les Kohanim qui ont un défaut, Ben Baalé Moumine Kevouin, que ce soit des défauts qui sont fixes en eux, qui ne passeront pas. Il lui manque un doigt. Le doigt, il ne repoussera plus. Ben Baalé Moumine Ovrin, donc il s'agisse encore d'un moum qui peut être réparé, qui va être réparé même, toutes sortes d'une peau qui va lui pousser dans les yeux, qu'en fait, il pourra faire une petite opération et supprimer cette petite peau. Malgré tout, tant qu'elle est là, il n'aura pas le droit, il n'est pas soule pour apporter un korban, il est Baalé Moumine. Eh bien, la Mishnah m'enseigne cette fois-ci, Cholkin ve Ochlin. Malgré tout, ils seront en droit de partager et de consommer, aval lo makrivin, mais ils ne seront pas en droit, malgré tout, d'apporter un korban. Tandis que, vechol sheno raouila avoda, eno cholek babasav, tandis que toute autre personne qui n'est pas, plus en général, à part les Baalé Moumine, toute personne qui n'est pas apte à faire un korban, eno cholek babasav, il ne partagera pas les parts de la viande. Et la Mishnah continue à me dire aussi, Vechol she'en lo babasar, en lo ba'orot. Et toute personne qui n'est pas bénéficiaire du droit de recevoir une part de la viande ne sera pas non plus bénéficiaire de recevoir, de partager les peaux de l'animal, le cuir. La Mishnah continue, on va voir tout ça dans le passage, dans quelques secondes. Je préfère juste finir la Mishnah, comme ça on s'est acquitté. Afilou, on s'est acquitté des mots, c'est-à-dire on a d'abord bien présenté la Mishnah, après on verra ça dans les mots. Du pasuk. Afilu tamé bishat zrikat damim vetahor bishat ekter chalavim. La Mishnah m'enseigne. Sache que lorsque je te dis qu'une personne impure ne recevra pas une part des korbanot, même s'il était impur au moment où le sang a été aspergé sur le misbéach, donc afilu tamé bishat zrikat damim, s'il était impur au moment où le sang était aspergé au misbéach, mais que malgré tout, vetahor bishat ekter chalavim, et qu'il devient pur au moment où on va faire monter les graisses sur le misbéach. Ouais, il est pur bishat au moment hekter, où on fait brûler, où on consume
chalavim, les graisses, c'est-à-dire le korban au misbéach, il était fait dans la journée, on égorge, on asperge le sang, ensuite on l'envoie en cuisine. On va récupérer les parts qui vont monter sur le misbéach. On ne montait pas toujours les parts tout de suite, des fois ça pouvait traîner jusqu'à la nuit, on avait toute la nuit pour le faire même, pour faire monter ses parts sur le misbéach. Donc il s'avère que la Mishnah vient m'insister en me disant, sache que la personne impure qui ne partagera pas, hein, même si concrètement il va pouvoir faire une certaine avoda sur ce korban, qui va être de récupérer ses parts et de faire monter sur le misbéach, parce que le soir il est devenu pur, il pourra ensuite, s'il veut, prendre ses parts et les faire monter sur le misbéach, malgré tout, sache qu'il ne, ça s'appelle qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas offert, il n'est pas apte à offrir le korban au moment de la zrika, et de ce fait, il ne sera pas en droit de recevoir une part de la viande, il ne partagera pas avec ses autres frères. Chez Neymar, comme nous dit le verset, Hamakriv et dam ashlamim vet achelev mi bene aharon lotinye shokayamin lemana. Celui qui va offrir le sang d'Eshlamim et les graisses d'Eshlamim, mi bene aharon, parmi les frères d'Aaron, lotinye shokayamin lemana, lui recevra une part de la cuisse droite en cadeau. On va expliquer ça à la fin. Il y a une précision assez importante à expliquer sur cette dernière partie de la Mishnah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre d'abord à partir du verset. Il y a deux endroits de la Torah à connaître, deux pour le moment, avec un troisième pour la fin de la Mishnah. On est cette fois-ci dans le début de la parasha qu'on mentionnait, Vaikra, Vaikra, Pasuk, Yudchet. Ouais, le pasuk qui commence, Yuzayn, en me disant, Vaidaber Hashem al Moshe, Mor Hashem dit à Moshe, Daber el Aharon ve el Banav le Mor. Tu diras à Aaron et à ses enfants, Zot Torah tachatat, Akrev, va makom asher tishachet ha'ola tishachet ha'chatat, lifnei Hashem kodesh kadashim hi. Il enseigne aux enfants d'Aaron que tel est le statut du khatat, qu'il faudra porter le korban khatat, là où tu feras, là où tu gorgeras la ola, tu gorgeras le khatat, dans le tsafon, si vous vous en souvenez. Ensuite, parce que tête me dit, « A kohen amchate ota yochelena, be makom kadosh te'achel, bachatsar orel moed. » Le kohen qui va être mechate ota, qui va offrir cette korban khatat, qui va l'asperger, ou yochelena, il la mangera. Le Kohen qui a aspergé son sang, il va la consommer, cette ratat. Elle sera consommée dans un lieu saint, c'est-à-dire dans la Hazara. Dans la cour du Oel Moed. Ce qui m'intéresse, c'est le début du Pasuk. Le Kohen qui aspergera le ratat, la consommera. En l'état tel que c'est écrit, le Pasuk semble dire que si on était même 20 Kohanim dans la Hazara, mais c'est moi qui ai fait ce khatat, et bien c'est moi qui consommerai ses parts. Or, c'est faux. C'est méforage dans la Torah que tous les Kohanim qui étaient aptes à offrir le korban partageront. Donc en fait, il faut lire le mot amchate ota, celui qui l'aspergera, de manière beaucoup plus générale ou généralisante, en disant que le Kohen qui était apte à asperger le sang sera en droit de la manger. Premièrement. On a appris donc de là que même les corbanotes, même les kohanim, qui n'aspergent pas concrètement, mais qui sont aptes à asperger, sont en droit de recevoir un corban. Selon ce principe, une personne qui n'était pas apte à faire la avoda dans la journée ne pourra pas avoir une part. Donc, la personne impure ne pourra pas partager le soir le corban. Il sera certes en droit de manger, il n'y a aucune contradiction. Comme c'est marqué Mefarash dans d'autres psukim de la Torah, qui sera en droit de manger le korbanot, mais il ne sera pas en droit de recevoir une part. Selon ce principe, on a un petit problème technique, c'est que dans ce cas-là, le Baal Moum non plus, la personne qui a un défaut, ne pourra plus non plus consommer le korban. Or, la Mishnah ne nous a pas enseigné comme ça. Pour ça, il faut partir dans un autre pasouk de la Torah, qui se trouve cette fois-ci dans Parashat Emor. C'est là-bas la Parashat qui parle de qui sont les kohanim aptes à servir les mitzvot particulières du korban, des kohanim, et le pasouk Chafalef. Chafalef, Chafalef. Me dit Kol ish asher bo mum mizera Aaron haKohen lo yigash lakriv et ish Hashem mum bo et lechem Elohav lo yigash lakriv. Toute personne de la famille d'Aaron ne pourra pas faire un korban. Et le pasuk la chavbet me dit lechem Elohav mikotchei kodashim ou mina kodashim yochel achal paruchet lo yavo ve la mizbeach lo yigash kol mum bo. Le pasuk me dit sache qu'il pourra manger le lechem Elohav mikotchei kodashim, le pain qu'Hachem lui donnera des kodesh kodashim et des korbanotes, il pourra les manger. Mais, elle a pas rochet lo yavo, il n'entrera pas dans le sanctuaire et tout ça.
Donc là, la Torah, elle va inclure spécialement qu'il sera en droit de manger. Bon, il est en droit de manger, ça veut pas dire qu'il va être bénéficiaire d'une part. Pour ça, il faut revenir maintenant dans le pasouk, de Tzav, Perek Vav, pasouk Yutet, et le Kohen me dit, « Akohen amchate ota yochelena » Le Kohen qui aspergera dans son sang, donc qui sera apte à asperger dans son sang, la consommera. Il y a un problème. Pourquoi la Torah me dit le mot « la consommera » alors que l'intention de la Torah, elle est en fait de me dire « la partagera » parce que tout le monde a le droit de manger. Concrètement, faire entrer dans la bouche, il n'y a aucune interdiction. S'il est pur, il a le droit de manger. Le problème, il est est-ce qu'il sera bénéficiaire d'une part, titulaire d'une part, est-ce qu'il sera en droit de partager avec les autres. Mais il n'y a pas un problème de consommer concrètement. Donc pourquoi la Torah m'a dit « a kohen amchateota yochelena » il la mangera. Il fallait me dire « il la partagera »« yechalekena » Ouais, de là, j'inclus qu'il y a une personne qui sera apte à consommer, qui était capable de consommer au moment du korban, et lui, il recevra aussi une part du partage. J'inclus de là le Kohen Baal Moum, qui a un défaut, qui est apte à manger depuis le début du korban, qui sera en droit de partager, d'accord? J'espère que vous avez compris. Au pire, ben, regardez dans le Bar Venora, il vous l'expliquera. Maintenant, on va passer sur la fin de la Mishnah. On va passer juste sur la fin de la Mishnah pour apporter une précision importante. On a porté cette fois-ci un autre pasouk de Vaikra Zayin, c'est aussi dans Tzav, qui me dit que le Kohen qui apportera le sang et les graisses, lui, il recevra la part de Shlamim qui revient au Kohanim. Lui, il partagera parmi les parts de Shlamim qui reviennent au Kohanim. C'est général sur tout le Korbanot. La Torah, là, elle m'a donné deux bornes. L'aspersion du sang et ensuite faire brûler les graisses sur le Mizbeach. Pour me dire, on a ces deux étapes qui sont bien distinctes. Le sang, on asperge dans la journée. Les graisses, on a toute la nuit pour le faire. La Mishnah déduit de là, Ramim déduit de là, qu'il faut une continuité, qui soit apte à consommer depuis le moment où le sang est aspergé, jusqu'au moment où depuis le moment où on est apte à asperger le sang, jusqu'au moment où les graisses peuvent monter sur le Mizbeach, qu'il soit durant toute cette période apte à consommer les korbanot. À exclure, imaginez, à 8h, 9h du matin, un Kohen, il était apte à manger un khatat, il y a un korban khatat qui a été offert. Ce qui passait dans l'après-midi, à 5h, ce Kohen, il a touché un shéretz. Il est devenu impur. Il ne peut plus manger les korbanot à ce moment-là. Rien de grave, il fonce au mikvé, il se trempe, il attend la tombée de la nuit, 7h30, 8h, la tombée de la nuit, il pourra maintenant consommer les korbanot. Regardez quelque chose de super. Au moment où le sang, il était aspergé, et au moment où les graisses, elles peuvent être offertes, il est pur, apte à manger. Malgré tout, puisqu'il n'y a pas eu de continuité du début jusqu'à la fin, qu'il était apte à consommer les korbanot, il est devenu inapte à manger les korbanot. Inapte à partager ses korbanot, parce qu'il n'y a plus de continuité. D'accord? Ça a apporté la dernière phrase du Bar Tanoura, regardez, « Vim nitma benkar ou benkar enocholek » Si c'est impureté entre l'une et l'autre, il ne pourra plus partager ce korban. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Kol Tov Salam.